Olivier Duhamel prépare sa riposte. Selon plusieurs sources, le politologue Olivier Duhamel, accusé d'inceste par sa belle-fille Camille Kouchner dans son livre La Familia Grande, s'apprêterait à publier un livre dans lequel il devrait répondre aux accusations de cette dernière. Olivier a beaucoup hésité entre une interview à la presse et un livre. Il a finalement opté pour l'écriture. Son but n'est pas de régler ses comptes mais de livrer sa vérité, a confié aujourd'hui l'un de ses proches au magazine Le Point. L'ouvrage, tiré à 225 000 exemplaires, sera publié aux éditions Seuil, les mêmes que celles ayant déjà publié plusieurs livres du politologue. Dans son livre La Familia Grande, publié le 7 janvier dernier, Camille Kouchner accuse Olivier Duhamel d'inceste, de viol et d'agression sexuelle répétée sur son frère jumeau, rebaptisé Victor dans l'ouvrage, alors qu'il était adolescent. Des accusations appuyées par le principal intéressé, qui a confirmé les écrits de sa sœur dès le 4 janvier dernier. Je vous confirme que ce que ma sœur a écrit à propos des agissements d'Olivier Duhamel à mon égard est exact, avait-il déclaré dans les colonnes du Monde. Une enquête pour viol et agression sexuelle sur mineurs en cours. Le parquet de Paris a aussitôt ouvert une enquête pour viol et agression sexuelle par personne ayant autorité sur mineurs de 15 ans, mais l'accusé n'a pas souhaité commenter les accusations proférées par sa belle-fille. Je n'ai rien à dire sur ce qui, de toute façon, sera, je ne sais pas, n'importe quoi, déformé ou quoi, a-t-il simplement indiqué à l'OP suite à la sortie de La Familia Grande. Depuis, Olivier Duhamel a renoncé à l'intégralité de ses occupations professionnelles. Il a notamment démissionné de son poste de président de la Fondation nationale des sciences politiques, et a cessé sa collaboration avec Europe 1 et LCI. La date de sortie de son ouvrage, dont le titre n'a pas été dévoilé, n'a pas encore été communiquée.